Le deuxième rendez-vous des chroniques du jazz rendait hommage samedi à Louis Prima. Entre séquences vidéo, exposés historiques et interprétations en live, Flora Estel, Hot Pepino et Thierry Houdin ont livré une prestation tout en jazz, swing et blues. Donc je suis Flora Estel, je suis chanteuse de jazz, de swing plus précisément, et on a fondé avec Hot Pepino, qui est pianiste et chanteur, un duo sur cette tranche musicale. Et puis le duo est devenu trio, devenu quartet, quintet, sextet au fil des années. Notre répertoire, donc, c'est la musique des années 50, la musique noire américaine des années 50. Donc c'est le, on pourrait, j'ai pas envie de dire que c'est le balbutiement du jazz, mais c'est encore le jazz chanté, où les paroles ont un sens, où c'est pas uniquement un travail instrumental et d'arrangement. Cet après-midi, donc, nous nous sommes livrés à une prestation que nous appelons concert de poche, voilà, qui est une espèce de petit concert conférence. Au cours duquel donc nous avons narré la vie, la carrière de Louis Prima. Voilà. Et donc le tout ponctué de petits morceaux live. C'était le deuxième, effectivement, c'est le deuxième autour de Louis Prima. Le premier était autour de Nat King Cole et le troisième sera autour du Rat Pack, c'est-à-dire... c'est l'époque de Dean Martin, Frank Sinatra, Sammy Davis Jr. qu'on appelait un petit peu les voyous des années 50. Donc on peut raconter leur histoire à travers la musique. Voilà. Alors le ressenti du public, nous on amène un petit peu, on essaye de faire entrer les gens dans ce qu'on aime. On essaye de les faire participer à notre univers. Voilà, on joue cette musique-là depuis très longtemps. Et c'est de la musique qu'on connaît bien, qu'on aime beaucoup. Et on s'est dit, on va faire profiter les gens de ce qu'on sait et leur donner un petit peu de notre passion, de leur montrer un petit peu l'époque, comment c'était à cette époque-là. On arrête un petit peu le temps et on revient dans le jazz des années 50.